Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C'est Foot. Nous allons bien sûr revenir sur ces 32e de finale de la Coupe de France et sur l'élimination de l'OM par Evian Thonon-Gaillard. Les leaders de la Ligue 2 ont sorti à la régulière un petit champion de France en titre qui, sur un terrain de pommes de terre, n'a jamais pu imposer son jeu. Arles-Avignon a été également éliminé par Sedan à domicile. Seuls les Martégaux ont sauvé l'honneur pour les clubs du département. Décidément, la Coupe de France n'aime pas trop le Sud. Et nous allons parler de tout ça avec notre confrère Yann Théroux d'Europe 1, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Yann. Bonsoir Alexandra. Alors Toulouse, Monaco, Auxerre, Arles-Avignon, Valenciennes, Lens, Caen, Saint-Etienne, Montpellier et l'OM éliminé. La liste est longue. Hein. Vous n'avez oublié aucun. Voilà, donc ça fait 10 clubs de Ligue 1 qui sont passés à la trappe ce week-end. Est-ce qu'il faut en déduire, Yann, que cette compétition ne motive plus l'élite ? Non, il faut en déduire plusieurs choses. Déjà, c'est un record. Hein. 10 clubs de Ligue 1 qui passent à la trappe lors des 32e de finale, c'est un record dans l'histoire de la Coupe. Il faut, c'est aussi révélateur d'un nivellement vers le haut au niveau du niveau de jeu des divisions inférieures. Aujourd'hui, je pense qu'on ne joue plus en CFA2, en CFA et en National comme on jouait sur ces trois divisions-là il y a une quinzaine d'années. Et puis, c'est un créneau qui est très difficile, mais qui est très difficile pour tout le monde, à savoir le premier match en plein hiver à l'issue d'un stage de préparation qui est souvent effectué ou dans le nord de l'Afrique ou dans le sud de l'Espagne, c'est-à-dire dans des zones où on retrouve un climat quasiment printanier au moment des fêtes. Et là, on se retrouve sur le terrain de pommes de terre, comme vous l'avez très bien dit, et c'est très difficile. Pourtant, l'OM s'était bien préparé à ce match. L'OM s'était bien préparé pour la deuxième partie de saison. Est-ce que l'OM s'était bien préparé pour ce match et est-ce que l'OM avait fait de ce match une priorité ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas eu une réponse très ferme hier soir. L'OM, hier soir, est tombé sur, techniquement et humainement et en termes de motivation, une équipe supérieure à elle. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps a aligné sa meilleure équipe possible hier soir face à Evian ? Il avait beaucoup de difficultés à aligner une équipe efficace. Il y avait des absents, Diawara, Mbia, ce qui veut dire qu'au niveau de l'arrière-garde, au niveau de la défense, il y avait des cadres qui manquaient. Surtout un profil comme Souleymane Diawara dans un match qui s'annonçait rude, assez âpre, avec un jeu de Ligue 2 qui allait demander beaucoup de contacts. On savait qu'un Souleymane Diawara serait précieux. Il y avait beaucoup de difficultés pour aligner une équipe. À chaque match, l'absence de Souleymane Diawara compte. On a l'impression que c'est un joueur qui compte au sein de l'équipe marseillaise. C'est un joueur qui a une présence très forte sur le terrain. C'est un joueur qui a une présence très forte dans le vestiaire. C'est un meneur, véritablement. Ballon au pied et également, c'est un bout d'entrain. Hein. C'est vrai que quand vous parlez aux joueurs olympiques de Marseille de la présence de Souleymane Diawara, il y a un impact qui est vraiment quasi quotidien. Alors bien sûr, il y a toujours le risque de blessure, mais avant ce déplacement, l'OM avait encore une semaine pour préparer la prochaine rencontre. Est-ce que Didier Deschamps a bien fait de laisser certains joueurs cadres au repos, tels que Mandanda par exemple ? Ouais, c'est une logique de coupe hein, cette fois-ci pour le gardien de but. Mandanda était dans les buts parce que pour la coupe, il y a un changement au niveau des gardiens. Voilà, c'était plus cette logique-là. Alors si on regarde la presse, les notes sont très sévères pour les joueurs de l'OM et aussi pour l'entraîneur. Alors les notes, on voit que Didier Deschamps a seulement 4 sur 10, Brandao 3, alors c'est Taïwo, c'est pas beaucoup, 3, Andrade à 5, donc c'est un peu mieux que les autres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Théroux, de ces notes ? Quand on voit ces notes-là, ce qui ressort en premier, c'est le 2 de l'Etienne Diaye qui a joué arrière-droit. Heureusement que c'était annoncé dans la presse qu'il joue arrière-droit. Parce que si vous regardez le match, il y a énormément de moments dans la rencontre où vous ne savez simplement pas à quel poste est-ce qu'il est. Donc le 2 est tout à fait mérité. Oui, voilà, c'est des notes qui sont tout à fait révélatrices. On ne savait pas trop où il jouait, Ndiaye, finalement. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous aviez un Raymond Domenech qui était en colère lors de la Coupe du Monde contre les joueurs qui dézonnaient, il aurait vu l'Etienne Diaye, il s'en serait parmi, je pense, hier. C'était le jeu se déroulait au niveau du secteur défensif marseillais. L'Etienne Diaye, défenseur, était quasiment en attaque. Il était n'importe où, à n'importe quel moment. On peut passer à côté d'un match, attention, hein, mais ça a été particulièrement flagrant. Alors à quoi on doit imputer cette défaite ? Est-ce que c'est à l'entraîneur et son coaching ou plutôt aux joueurs qui n'ont peut-être pas mis l'engagement nécessaire dans ce match ? À Arles-Avignon qui a réalisé une bonne partie, qui a réalisé une partie très sérieuse parce que quand vous regardez encore une fois l'état du terrain hier, il était à la limite de l'impraticable, mais il y a une équipe qui a réussi à poser son jeu, il y a une équipe qui a réussi à trouver de l'efficacité parce qu'Arles-Avignon marque les deux premiers buts assez rapidement, c'est Arles-Avignon. Et puis, ils ont d'ailleurs été éliminés au pénalty, donc c'est mieux que nous finalement. Ouais. Et puis au pénalty. À la fin, apparemment, au pénalty. Arles-Avignon a été éliminé. Ah, Arles-Avignon. En tout cas, voilà. Oui, Arles-Avignon, tout à fait. Vous parliez d'Arles-Avignon. Mais Evian Thonon, pardon.
Vianton Gaillard, c'est une erreur de ma part. Et Vianton Gaillard hier soir, voilà, a posé beaucoup plus le jeu que l'Olympique de Marseille. Et Vianton Gaillard était plus efficace. Donc voilà, c'est déjà à Vianton Gaillard qu'on peut attribuer cette victoire. Et puis oui, il y avait de la reprise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vu un Olympique de Marseille au jeu assez médiocre juste avant les fêtes à Brest, et on a revu un Olympique de Marseille au jeu très médiocre. Il recommence tout doucement. Et puis on a beaucoup critiqué l'attaque de cette fin de première partie de saison, et maintenant on commence à critiquer la défense. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Oui, il y a des choses qui sont inquiétantes, bien sûr qu'il y a des choses qui sont inquiétantes. Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas forcément l'élimination en Coupe de France dimanche soir, c'est la médiocrité dans certains secteurs du jeu de l'Olympique de Marseille qui se vérifie de match en match et qui, pour l'instant, on verra le retour du championnat, mais qui, pour l'instant, ne semble pas s'être réparé pendant la trêve. C'est ça qui est inquiétant. Alors, dans ce cas-là, on dit souvent que c'est un mal pour un bien, ça va permettre aux Olympiens de moins jouer. Est-ce que vous croyez vraiment à ça, qu'ils vont pouvoir plus se positionner sur le championnat, dans le championnat? Il y a une vérité, effectivement, quand on est à l'Olympique de Marseille, quand on est engagé en championnat, en Ligue des Champions, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, si vous enlevez déjà la Coupe de France, vous savez, la Coupe de France, c'est une compétition éreintante, parce que pour arriver en finale, quand on est un club de Ligue 1, il y a 7 matchs à disputer. C'est énorme. C'est 7 matchs à répartir sur 4 mois. Là, effectivement, la Coupe de France en moins, la Coupe de la Ligue est plus intéressante pour un OM qui est déjà en demi-finale. Marseille est à 2 fois 90 minutes du titre en Coupe de la Ligue. Oui, effectivement, la Coupe de France va alléger le calendrier olympien. C'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Alors, face à c'est quand même l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 2, celle des Vianton Gaillard. L'OM n'a pas réussi, enfin, a réussi à marquer un seul but, mais ce n'est pas un Marseillais qui l'a marqué, puisqu'il s'agit de Cambon contre son camp. Est-ce que c'est inquiétant, ça aussi? Ah oui, l'attaque marseillaise est inquiétante. La défense marseillaise a été médiocre et l'attaque a été inquiétante ce dimanche. Donc, à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, vous avez un André-Pierre Gignac qui reste absent au niveau de son impact sur le jeu. Moi, peut-être celui qui a porté le plus d'impact dimanche soir, c'est peut-être Brandao. Loïc Rémy fait énormément de déchets. Et Valbuena, je dois vous faire un aveu, j'ai vu un moment qu'il était sur le terrain, je ne me rappelle pas à quel moment il est rentré. Donc c'est dire sa présence sur la pelouse, quoi. En tout cas, il y a eu seulement 4 buts pour 7 matchs, c'est peu, beaucoup très, trop peu. Très peu, c'est très peu. Quand on sait que culturellement, l'Olympique de Marseille appuie son potentiel et appuie ses performances sur son secteur offensif, oui, c'est très peu. C'est pas le rythme d'un champion de France. Alors Yann, je vais vous proposer d'écouter tout de suite la réaction du coach marseillais après cette défaite. J'ai eu l'impression et le sentiment d'avoir fait une bonne entame de match où on a eu... les occasions, les opportunités. Bon, Evian a bien joué le coup sur leurs deux premières occasions. Il marque 2 buts. Voilà. Après, on a couru après le score. Évidemment qu'on a fait preuve un peu de naïveté défensive, notamment sur ce contre qu'on part alors qu'on a un coup franc offensif pour nous. Voilà, ils n'ont pas volé leur qualification, mais on en a pris 3. Donc quand on prend 3 buts, c'est difficile de gagner un match. Évidemment qu'on peut marquer plus de buts. On en a eu les occasions, les opportunités, mais on a pris aussi 3 buts, ce qui est beaucoup trop pour une équipe de haut niveau si on veut espérer obtenir un bon résultat. Didier Deschamps défend toujours beaucoup ses joueurs, non Yann? Oui, il défend beaucoup ses joueurs, il est également lucide. Hein. Hier soir, juste après la rencontre, sur les carences de l'OM, oui, il défend ses joueurs, c'est un fait, c'est la technique de communication de Didier Deschamps et ça se vérifie encore. Mais il ne pourra pas les défendre longtemps, ces joueurs? Non, il ne pourra pas les défendre longtemps. Vous savez, on est pas loin d'un moment charnière du championnat, parce que si vous vous rappelez bien, la saison dernière, l'Olympique de Marseille a construit son succès à partir du début de la deuxième partie de championnat, plus particulièrement même à partir de la fin du mois de janvier, parce qu'au retour des trêves, ils perdent encore à Montpellier. On n'est pas loin du moment charnière où tout va se décider. Vous pensez que ça va perturber la fin de saison, la saison à venir? La défaite de dimanche? Oui. Absolument pas. Absolument pas. Marseille a perdu en Coupe de France. Il n'y a pas de crise au club et c'est normal. La vraie priorité des priorités, c'est le championnat. On pourra peut-être changer de discours s'il y a une contre-performance face à Bordeaux. Vous me dites donc, Yann Théroux, que l'ambiance est toujours aussi bonne dans le vestiaire marseillais? Je n'y passe pas mes journées dans le vestiaire marseillais. L'ambiance, vous savez, dans le vestiaire marseillais, encore une fois, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un moment qui va être décisif.
il n'y a pas non plus trop, il y a pas non plus que des raisons de s'alarmer. Il y a des choses qui ont été positives depuis le début de la saison. Il faut les concrétiser et faut passer la vitesse supérieure. Si Marseille rate le coche rapidement, Marseille sera vraiment en danger pour conserver son titre. On n'en est pas encore là. L'OM n'a plus l'air vraiment favori d'être un favori. On voit plus Lille ou Lyon, par exemple. On parle davantage peut-être de ces deux clubs que de Marseille. Oui, on parle davantage de Lille et de Lyon parce que Lyon a vécu une fin d'année 2010 où l'Olympique Lyonnais a complètement rattrapé un début de saison raté. Et Lille est l'une des révélations. Effectivement, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi on parle plus de ces clubs. C'est pas encore terminé. Moi, je fais de l'Olympique de Marseille encore ce soir, et je vous le dis, mon favori pour le championnat, parce que l'Olympique de Marseille a su montrer sur les saisons précédentes que quand la situation devenait critique, l'équipe s'est transcendée l'an dernier. L'équipe a vraiment au cœur de l'hiver. Bah oui, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps, mais je me rappelle de la mine de José Anigo le soir du 23 décembre de l'année dernière quand ils sont battus par Auxerre au stade Vélodrome. Je peux vous dire que ce soir-là, si on lui dit qu'au mois de mai, il est en train de soulever le trophée sur le Vieux-Port. Et rapidement, en Champions League, vous pensez que l'OM peut battre Manchester? Non. Non, pas non, du tout. Non, non. Il y a deux niveaux, il y a un fossé en Ligue des Champions. Il y a les équipes qui sont programmées pour aller dans le dernier carré, et puis il y a les équipes qui sont programmées pour bien figurer en huitième de finale. Entre Manchester et Marseille, il y a un vrai niveau de différence. Et puis Martigues qui a réussi à se qualifier, qui se déplacera à Quevilly, à notre club de CF1. En tout cas, on va les suivre et les soutenir, hein, cette sûr. Équipe. Yann Théroux, merci beaucoup d'être merci venu Alexandre. Sur le plateau de CFoot. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous.